Ça, c'est une tête qu'on a vue l'année dernière, non? Oui, oui. Tu faisais quoi l'année dernière? Je faisais la percussion. La percussion. Et puis le saxophone. Stéphane... Mercier. Stéphane Mercier. Alors, dis-moi, comme ça, la percussion, le saxophone, et quoi encore? Mais c'est à peu près tout. Enfin, je fais du piano pour m'amuser. Le saxophone, c'est pas pour t'amuser? Surtout, oui. Et la percussion, tu continues? Oui. Et pourquoi tous ces instruments? En fait, qu'est-ce que tu as envie de faire, Stéphane? Je sais que c'est difficile. Enfin, il paraît que c'est utopique, mais j'aimerais être musicien de studio. Et ça veut dire quoi pour toi, être musicien de studio? Voyager, jouer avec beaucoup de musiciens, enregistrer. Et quel genre de musique? Alors, n'aie pas peur, on n'est pas des vieux barbons. Du jazz, surtout. C'est merveilleux, du jazz. Et tu sais qu'il y a une excellente école de belge de jazz, avec des merveilleux musiciens qu'on fera bien, d'ailleurs, de mieux connaître. Tu es venu, tu habites dans la région, non? À Braine-l'Alleud. À Braine-l'Alleud. Et il est là? Il a eu le temps de terminer son émission? Oui, oui. Où est-ce qu'il est, le père, là? Jacques Mercier, où est-ce qu'il est? Voilà. Allez, on est fait pour s'entendre. On vous applaudit, Jacques. Allez, bravo. Et la dame à côté? C'est ma maman. C'est maman, avec un très, très joli robe. Quel est le prénom de maman? Christine. Christine, bonjour Christine. Voilà, vous avez bien de la chance d'avoir un Stéphane qui joue tous les instruments du monde. Alors, qu'est-ce que tu nous fais sur ce saxophone alto? Je vais jouer Bagatelle de Verguen et Adagio arabesque de Berthelot. Berthelot. Alors, tu vas vers qui là, non? Attention à ce que tu vas dire, oui. La composition de Berthelot. Composition de Berthelot, et tu préfères les harmonies de d'autres. C'est ça, tu en sortiras, c'est parfait. Alors, tu nous parles de Berthelot? Berthelot, c'est un compositeur français qui écrit beaucoup, qui compose beaucoup, et qui, entre autres, fait beaucoup de solfège. Eh bien, il a du courage. Alors, dis-moi un peu, bonhomme, et toi, tu fais du saxophone combien d'heures par jour? Une heure et demie. C'est énorme, ça, non? Non, ça... Tu travailles une demi-heure aussi de la percussion tous les jours? Oui, oui. Allez, on y va? Bravo pour tous ces exploits et tous ces instruments.